Mon nom est Jean-François Soucy, je viens d'Atteville, au Nouveau-Brunswick. Je suis déménagé à Montréal, ça fait 3 ans, j'ai 21 ans. Je suis déménagé à Montréal pour la carrière parce que moi, dans la vie, je suis chanteur, je suis auteur, compositeur, interprète, comédien, danseur. J'ai commencé à chanter à l'âge de 7 ans dans la chorale à l'église. Puis je pense que c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre parce que moi, j'ai pas grandi dans un milieu musical. J'avais mon père qui chantait dans la chorale, qui jouait un peu d'orgue, c'est tout. À 12 ans, j'ai fait un premier album avec lequel j'ai fait le tour de la province au Nouveau-Brunswick. J'en ai quand même vendu un bon nombre de copies pour le marché que ça représente là-bas. Mon plus gros contrat a été il y a 4 ans pour Frag TV, pour l'émission Phenomia. C'était une comédie musicale, donc on a fait aussi deux disques et une tournée de 32 représentations. Le public auquel Phenomia était destiné, c'était beaucoup à peu près 10-14 ans. Évidemment, il y en avait des plus jeunes et des plus vieux. Ça a eu beaucoup de succès. En fait, le premier disque, il y a eu 50 000 copies vendues. J'ai pas sorti de nouvel album depuis Phenomia. J'ai travaillé sur des compositions. J'ai produit mon spectacle solo au mois d'août, au Jésus à Montréal. Ça a été un succès personnel et professionnel. Et pas financier. Mais ça a été vraiment une très belle expérience parce que j'ai produit tout par moi-même, puis je suis vraiment fier d'avoir accompli ça, de mon existence. Ça serait vraiment le fun de pouvoir encore une fois chanter, puis faire de ça mon gagne-pain principal, puis que ça soit ça qui me permette de vivre et non de survivre, parce que dans le milieu, les contrats, tout ça, ça va, ça vient, c'est vraiment instable. Donc des fois, on est vraiment à la dernière scène à la fin du mois pour payer le loyer. Donc, et je tourne en rond, je touche le fond, j'ai toujours eu peur de l'avion, je tombe dehors.